Imaginons, vous avez une copine qui est lesbienne, vous avez peut-être peur de quoi? Qu'elle nous aime. Peur de se faire draguer, du regard des autres, de devenir homosexuel au contact d'un gay ou d'une lesbienne, tels sont les ressorts de l'homophobie. Ces collégiens les découvrent grâce à des questions simples posées par un représentant de l'association Le Refuge. Peut devenir violent, se déscolarise, fugue. Plus on écoute, plus on échange, plus on débat, plus on arrive à empêcher que des actions aussi dures que des insultes, des moqueries, des harcèlements, des rejets, voire des crimes, puissent être commis. Plus on parle des choses, plus on peut les accepter, les comprendre et s'en foutre. Sur un sujet souvent considéré comme tabou, ces élèves ont osé partager leur point de vue devant leurs camarades. Si ta sœur ou ton frère t'annonçait qu'il était homosexuel, comment tu réagirais? Je sais pas. Sérieux, je sais pas. Ça ferait bizarre, mais ça serait pareil. Ouais. Ce serait toujours mon frère ou ma sœur. Si j'ai un ami, par exemple, qui est homosexuel, ça me gênerait pas, quoi. Tant qu'il est heureux, ben, c'est pas grave. Tant mieux pour lui. C'est son choix, c'est... On restera amis, quoi. Oui, c'est son choix. Lutter contre l'homophobie, c'est aussi casser les idées reçues, celle du choix étant l'une des plus tenaces. Sur 197 pays dans le monde, il y en a 80 qui condamnent l'homosexualité à des amendes ou à de la prison. Sur ces 197, il y en a 8 où l'homosexualité est punie de la peine de mort. À part être très con, qui pourrait choisir d'être homosexuel dans ces pays-là ? En France, le risque de suicide est 7 fois supérieur chez les jeunes homosexuels. En Corse, l'association Le Refuge a accueilli 10 adolescents en 5 ans, rejetés par leur famille en raison de leur sexualité.